Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un rôti de porc fumé aux légumes. Alors pour cette recette ici, j'ai un rôti de porc fumé que j'ai coupé en tranches. J'aurai besoin d'un oignon, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre. Ensuite je prépare un bouillon avec 400 ml d'eau, 100 ml de vin blanc et un cube de bouillon de bœuf émietté. Dans ce saladier, vous avez 500 g de carottes, vous avez aussi des pommes de terre, il y en a 700 g que j'ai épluchées, je les ai passées sous l'eau et je les ai coupées en morceaux, et j'ai aussi un navet coupé en morceaux. Et pour terminer, vous avez 200 g de poireaux, vous les lavez bien hein, et vous les coupez également en morceaux. Et bien c'est parti pour notre recette, on va se mettre en mode manuel. En mode doré, on prend l'huile et on met ça tout simplement dans la cuve du cookéo. Allez, le préchauffage est terminé. Donc, je vais pouvoir ajouter mes tranches de rôti de porc fumé dans la cuve. J'ai ajouté aussi les oignons. Allez, je vais ajouter mon bouillon. Là, je suis à 2 minutes de fonction dorée. Donc pour le bouillon, hein, c'est 100 ml de blanc, un cube de bouillon de bœuf émietté et 400 ml d'eau. Et bien maintenant, je vais programmer dans un premier temps une première cuisson de la viande. Je vais arrêter la fonction dorée. Je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, je vais programmer, je vais mettre 12 minutes de cuisson, je fais OK, avec un départ immédiat. J'ajoute maintenant tous les légumes, les pommes de terre, les carottes, le navet, les poireaux. Et on va programmer une deuxième cuisson. Allez, on va prolonger la cuisson. Ici, et là je vais programmer, allez, je vais mettre 7 minutes de cuisson, ça va suffire. Je fais OK, je peux fermer mon couvercle. La cuisson est terminée, il ne me reste plus qu'à déguster cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt.